Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis au taquet. Je vous ai demandé sur mon Instagram de me proposer des idées de vidéos et tout. Et vous avez été grave nombreux et j'ai sélectionné celle-là. Je vais réagir à des musiques de K-pop. Déjà, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un, je déteste la K-pop. Profondément, je ne sais pas pourquoi. En fait, je n'ai jamais vraiment écouté. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais vraiment écouté. Mais je trouve ça trop coloré, trop gnangnan, trop. Franchement, ça me saoule un peu. Donc, je me suis jamais vraiment intéressée. Aujourd'hui, je vais essayer de réagir. Je vais aller sur YouTube, je vais taper musique de K-pop et je prendrai au hasard. Et je vais écouter, je vais réagir, je vais dire si j'aime bien, si à la fin de cette vidéo, mon avis sur la K-pop a changé. Je ne pense pas qu'à la fin de cette vidéo, j'écouterai de la K-pop de mon plein gré. Moi, j'ai besoin de comprendre ce que j'écoute. J'écoute du français, de l'anglais, de l'espagnol, les langues que je comprends un minimum, du coréen. Ça va être complexe. Mais bon, je vais tester. Je vais faire preuve du maximum de bonne foi possible. Parce que je sais que les fans de K-pop sont des fanatiques. Ils vont venir m'étrangler, attraper mon col, me dire non, mais tu connais rien, gna gna gna. Là, je caricature un petit peu. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner sur les nouveaux qui tombent pas sur cette vidéo. Et voilà, c'est parti. Là, je suis allée sur YouTube. Je pense que je vais mettre cette playlist parce que du coup, j'ai juste marqué K-pop. Et il y a cette playlist qui m'a été proposée avec 150 chansons. Bon, bien sûr, on va pas écouter les 150. Mais voilà, comme ça, je vais pas trop me casser la tête. Normalement, il devrait y avoir de bonnes choses. Écoutez, on va écouter et peut-être que je vais tomber sur des pépites, hein. Alors, première chanson. Ça ressemble beaucoup aux musiques américaines. Ah, mais c'est de l'anglais. Bon, déjà, je comprends pas pourquoi elle chante en anglais. Bah, c'est censé être du coréen, mais bon. Je trouve que ça fait très Taylor Swift, petite guitare acoustique, je vis ma propre vie, blablabla. Bla, bla. Personnellement, elle a une très très belle voix, mais je suis... Enfin, pas je suis pas fan, mais je n'aime pas Taylor Swift de base, donc je vois pas pourquoi je vais aimer une coréenne qui chante du Taylor Swift, mais en Corée, quoi. Prochaine chanson. Moi, c'est Gontran. Alors, on est tous très fans du Nutella. Oui, Gontran, tu parles beaucoup, là, Gontran. Gontran, il me pète le flanc. Alors, ça, c'est BTS. BTS, je connais, mais j'ai jamais vraiment écouté. J'aime beaucoup. Oh. J'aime trop. Franchement, BTS, je connaissais parce que je crois que ce sont les plus connus dans la K-pop. J'aime beaucoup. Franchement, j'étais surprise quand le mec là avec la voix grave là, j'ai kiffé. Ça m'a fait des palpitations, des petits trucs dans mon cœur là. Franchement, j'ai kiffé. Donc celle-là, je mets un petit 8,5-9. Hein. Franchement, pas mal la chanson. Allez, prochaine chanson. Franchement, j'aime bien, je pourrais écouter là comme là j'ai écouté, mais la mettre dans mes écouteurs, je pense pas. Mais franchement, pas mal. Franchement, pas mal. Prochaine chanson. Non, j'aime. Là, on passe au premier girls band. J'espère que c'est bien, parce que généralement, les voix des filles coréennes, j'ai du mal, parce que je trouve ça trop aigu, genre ça me saoule. Donc, je vais essayer. Un beat un peu Britney Spears. Oh, c'est belle. Waouh. Elles sont toutes mignonnes. Sorry.
Bon, j'ai stoppé net hein, parce que la musique elle dure 5 minutes, au bout de 30 secondes j'en pouvais plus. C'est très mignon, ça chante très bien, ça chante très juste, mais c'est trop lent à mon goût, franchement, flemme. Je peux pas, c'est trop, en fait c'est justement ce que je déteste dans la K-pop. Cette vidéo là c'est vraiment le stéréotype de la K-pop que je n'aime pas. Très coloré, très aigu, très girly, très, ah ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je ne peux pas, là ça fait 26 secondes, j'ai même pas tenu, je suis désolée. Allez on passe. J'aime pas. Oh, je suis désolée, franchement, j'essaye là, mais j'aime pas du tout. Genre, franchement, celle-là, vraiment un 0.1. Je suis désolée. Hein. C'est Nagome, je te kiffe pourtant, mais là, je sais pas, la chanson elle dégage rien. La chanson elle est nulle, c'est fade. Les paroles sont tellement éclatées. Ice cream chillin', chillin', ice cream chillin'. Super, merci, mais encore. Ouh, il est mignon, hein. Oh, c'est artistique, ça j'aime bien. Ça j'aime. Oh non, ça graille. Ça là, je pense que vraiment je pourrais écouter. Ça, ça a un côté Charlie Pouce. C'est Charlie Pouce ou Charlie Pute? De toute façon, j'appelle Charlie de la pute de base, mais vous savez, le mec qui fait You just want attention. You don't want none. Et le mec là, oui, lui là. J'aime beaucoup la petite vibe groovy, la petite guitare qui arrive. Franchement, j'ai kiffé. Celle-là, 10 sur 10. Franchement, 10 sur 10. Pépite. Ça c'est pour faire quelqu'un. Là j'imagine que c'est la bad bitch de la K-pop. Non j'accroche pas, je sais pas, j'ai du mal. L'univers il est pas mal, il est original, mais en fait ça fait trop américain, mais ça passe pas. Ça je connais. Ouh, mais il est beau, hein. Waouh. Je l'ai chantée parce que je la connaissais, mais je suis pas fan, je trouve ça trop coloré. En fait moi j'ai besoin de trucs dark, j'ai besoin de voix grave, j'ai besoin de basse, j'ai besoin de groove, j'ai besoin... Mais sinon elle est bien. Pour l'instant il y en a qu'une que vraiment je retiens. Ah mais j'adhère pas aux filles. J'ai du mal, hein. Je sais pas pourquoi j'aime pas les filles. Serais-je sexiste? I don't know. Allez, on essaye ça. C'est une fille. Peut-être qu'elle va changer la donne, celle-là. Très Lady Gaga, très Bad Romance. Oh oui, très très Bad Romance. Complètement inspiré de Bad Romance. Bouh, zéro.
j'aime pas. Ah, mais les filles là, je sais pas, les filles là, faites quelque chose. Purée, depuis tout à l'heure, j'aime que les garçons. Allez, on va écouter du Blackpink là. Normalement, Blackpink c'est bien, normalement. J'adhère pas. Mais ça me saoule. Franchement, je vous jure, j'aimerais bien bien aimer comme vous tous, mais j'arrive pas. C'est trop. En fait, c'est trop. Ah, je suis une fille. Ah, j'adore le rose. Ah, ça me dégoûte. Je peux pas. Je peux juste pas. Je suis désolée. Oh. Okay girl. J'ai bien fait de finir par elle parce que m'ont mise d'accord les nanas. Elles m'ont mise d'accord. Là, j'ai kiffé l'univers très dark, très bad bitch, très on est au-dessus des hommes. Je kiffe. Franchement, rien à dire. J'ai écouté une bonne dizaine de sons. Sur la dizaine, il n'y en a que un vraiment qui m'a marqué. Donc, franchement, je ne dirais plus que c'est de la merde. C'est pas mal. En vrai, de vrai, c'est pas mal. C'est juste que j'ai du mal à accrocher à l'univers. En fait, il y a trop de voix. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien écouter une voix, aller deux, aller trois. Mais il y a trop de voix. Il y a 5-6 filles qui chantent. Enfin, c'est compliqué. Donc, je sais pas. Après, ce que je trouve dommage, c'est que je m'attendais vraiment à avoir un style très, très marqué. Et en fait, je me rends compte que c'est de l'américain, en fait. Ça ressemble très clairement. Il y a énormément d'inspiration, que ce soit au niveau des clips, que ce soit au niveau des paroles, que ce soit au niveau des chorégraphies qui viennent des États-Unis, en fait, pour la plupart. Et personnellement, j'ai préféré les sons où, bizarrement, ils chantent en coréen. Quand ils chantent en anglais, bah, en fait, c'était tellement de l'américain façonné bizarrement, bah, en fait, ça ressemblait à que dalle. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. Ouh là là, je suis fatiguée. J'ai parlé un pas, là. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez été d'accord avec moi pour ceux qui n'écoutent pas la K-pop, quels sons vous avez préférés, si je vous ai fait découvrir des musiques ou pas, si je vous ai donné envie d'écouter la K-pop pour ceux qui n'en écoutaient pas, ou si les fans de K-pop, je vous ai juste énervé avec tous mes commentaires et que vous avez juste envie de m'arracher la gorge. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et on se dit à bientôt pour des prochaines vidéos. Bisous mes amours. Mouah.